en dehors de tous les featuring américains que j'ai pu faire, tu sais, je tenais quand même, tu vois, à faire des feats avec des rappeurs français, parce que tu vois, j'ai quand même écouté beaucoup de rap français. Il y a plein de gens qui m'ont marqué. Je descends sur Marseille un été pour rencontrer AKH, Akhenaton. En fait, pour un projet qui n'a rien à voir, c'est un projet sur Kerry James, parce que j'ai pas mal bossé avec Kerry sur divers projets. Donc je vais à la Cosca, et franchement, ça a été une grande, une super grande rencontre pour moi. Je descends à Marseille. Je débarque devant le studio, il y avait Faf La Rage, il y avait Kéops qui était là. Tu sais, c'est toujours super émouvant de rencontrer ces mecs-là, tu vois. Et donc là, j'arrive, je rencontre Shuriken, un mec qui a grave beaucoup de charisme, qui a une voix, quand il te parle, tu fais waouh. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils sont super francs, pas de langue de bois, et puis ça papote pas sur les gens, il n'y a pas d'hypocrisie, ils sont dans leur truc. Quand même, la Cosca, quand tu vois l'endroit, le lieu, tu lis l'histoire, tout ce que Ayam a engendré aussi, tu vois, parce que tu vois, les mecs, ils ont AKH, c'est un mec qui a quand même produit, tu vois, l'AFF, les psychiatres, tu dis, c'est grandiose. Et donc là, je vois Chill, et il est super sérieux. Il vient me voir, il me dit, écoute, voilà, bah hier, moi, j'ai gratté mon texte, bon, là, j'essaie de l'améliorer. Donc, on passe en cabine, et puis là, mes premières réactions, en l'écoutant, c'était... dans ma tête, je me disais, putain, t'es là, t'es à Marseille, studio, quand même un studio mythique, tu vois. Et AKH qui pose sur ton son, qui me regarde et qui me dit, qu'est-ce que t'en penses, c'est bien ou pas? Je me dis, mais c'est quoi, je suis dans un rêve, réveille-moi, tu vois. Et donc là, il pose un couplet qui déchire, en fait. C'est un morceau où, en fait, on rend hommage à tous ces rappeurs un peu qu'on a pu oublier, tu sais, dans l'histoire. Tu sais, il y a plein de mecs qui ont marqué leur époque, et aujourd'hui, c'est des mecs dont on parle plus trop. Si je devais raconter ce que le rap m'a donné, faudrait allonger le son et mettre de 100 mesures au couplet. Mon style est né dans les rues de Brooklyn, en écoutant les shows de Red, alors t'es trempé dans les flots de Rakim. Je cite Soulja Slim, je cite tu vois, Big L, même si bon, c'est un MC qui a compté, tu vois, on en parle beaucoup moins que Tupac et Biggie, tu vois. Je parle d'Eazy-E, parce que Eazy-E, finalement, putain, c'est un mec qui a c'est un des créateurs du gangsta rap, tu vois. Tu vois, avec son label Reflex Records, en plus c'est le mec qui a produit Bone Thugs and Harmony, donc c'est quand même quelqu'un qui compte beaucoup. Je parle de DJ Screw de Houston, qui a créé le style Shop and Screw, tu vois, les voix qui sont ralenties. Je parle de ce mec-là, tu vois, qui est décédé, dont plus beaucoup de monde parle, tu vois. Et c'est un hommage, voilà, pour pas oublier. C'est un peu, je veux dire, un devoir de mémoire, tu vois. L'instru que je leur ai ramené, qui est produit par DJ Duke, qui est le DJ d'Assassin, c'est une instru qui colle à la peau d'Ayam, vraiment. Et en fait, quand Shuriken a entendu mon couplet et celui d'AKH, bah, il est rentré dans la vibe et il m'a dit, écoute, viens me voir et tout. Et il me dit, bah écoute, j'ai écrit un refrain. Et je pense que je vais le poser avec Saïd. Et là, il me fait écouter le refrain, et je dis, ouais, franchement, ça tue. Il passe en cabine, alors lui, attention, lui, ça rigole pas. Lui, c'est one shot, hein. C'est première prise, elle était bonne. Avec une voix de... Je sais pas d'où elle sort, la voix. Et si tu veux dire, le morceau, il est magnifique. Un morceau un peu mélancolique, un peu nostalgique, et j'en suis super fier. Ce qui est marrant, ce qui m'a le plus marqué dans cette séance, c'est qu'à la fin, Imhotep est venu me voir. Il m'a dit, tu sais quoi, mec, ça fait super longtemps que j'ai pas entendu un album comme ça. Et franchement, venant de sa part, ça m'a vraiment touché, mais un truc de ouf. Et voilà, je suis reparti du soir, j'étais bien, quoi. Ayam, quand même, quoi. Bah, qu'est-ce que tu vas rajouter, parfait, quoi. Parmi les rappeurs français, j'avais prévu d'autres trucs, tu vois, mais moi, il y a un mec qui, dans la, entre guillemets, la nouvelle génération, qui,
qui m'a beaucoup marqué, c'est Medine. Un bon rappeur est un rappeur sur son lit de mort. Envie de meurtre ici, envie de mordre. C'est le MC qui a justement en lui une énergie d'NTM, la conscience d'IAM, le regard d'un Kerry James qui a tout en lui, tu vois. Il a fait un morceau qui s'appelait, je me rappelle, Lecture aléatoire. Je trouve que c'est un des plus bels hommages qu'un rappeur a pu rendre. Tu vois, des légendes, quoi. Et moi, je trouve qu'il a une écriture complètement dingue, bourrée de références. Il y a jamais, avec Medine, il n'y a jamais un mot qui est placé par hasard. Tout a une importance. Voilà, Medine, c'est chirurgical. Là, c'est les Cortez, Zip, les North Face, Drone et les Morbes de la côte nord-ouest. Il a posé un putain de couplet. On a fait un morceau, j'ai essayé de l'emmener vers un truc un peu différent de ce qu'il fait, tu vois, sur un beat vraiment classique hip-hop. Et sur le morceau, j'ai encore invité Brahi. Le morceau, il est produit par DJ Nabil. Ça donne un morceau avec une pure énergie. Alors, Kerry, c'est particulier, Kerry. Ça a été une grande rencontre. C'est un mec qui a beaucoup marqué ma vie. Hein. On a travaillé un peu plus de 2 ans ensemble. Et un jour, je vais le voir et je lui dis, écoute, voilà, moi, je rappe un peu. Il me dit, ah, tu rappes, toi ? Espèce de Zoulou, il me vannait tout le temps. Vas-y, fais écouter. Et en fait, quand il a vu ce que je faisais, je lui avais pas dit. Hein. Il m'a dit, mais t'es un ouf, toi. T'es un ouf. C'est quoi l'album que tu fais, là ? Et je lui dis, écoute, franchement, moi, ce serait un honneur que tu poses sur l'album. Je n'osais pas trop lui demander, tu vois. Ça me gênait un peu. Et puis, je me suis dit, vas-y, le MC, tu le kiffes. Et vas-y, profites-en, quoi. Et donc, il m'a dit, ouais, vas-y, je vais le faire. Donc, il accepte de faire le morceau. Et au-delà du titre, hein, je te dis, moi, c'est une rencontre super importante de ces dernières années dans ma vie. Parce que voilà, je l'ai accompagné sur ses 2 derniers albums, À l'ombre du show business et Réel, qui ont été 2 grosses réussites. Et je suis super fier d'avoir participé à l'aventure. J'ai été témoin de concerts de lui, de séances de studio. C'est un prodige. C'est un morceau calme, c'est un morceau plus calme que les autres. On parle du fait que même si voilà, lui vient du 94 et moi du nord de la France, on vit les mêmes réalités. Quand tu dis hip-hop, tu dis soundcast. 5 meufs négro, meuf 4. Même hall, même folie. Même tôle, même taudis. Les mêmes rêves, les mêmes cauchemars. Les mêmes crèves, stap sur les mêmes trottoirs. Street life, my nigga. Thug life, my nigga. Yeah, ok, yeah, get. Peu importe hein, que tu sois sous le ciel gris de Lille ou sous le soleil de Marseille, voilà, quand tu vis dans la merde, tu vis dans la merde, quoi. Et on vit vraiment les mêmes choses, tu vois. Et je trouve que c'était qui mieux que Kerry James pour parler ce genre de choses. Et de toute façon, sur le morceau, j'invite un DJ lillois à poser des scratchs, parce que c'était important aussi pour moi de représenter, tu vois, quand même la ville d'où je viens. Et sur un morceau, surtout, vu qu'on parle de ça, c'était plus qu'évident. En fait, pendant la séance de studio avec IAM, avec Chill, on discutait des DJ, des scratchs. Il me disait, je préfère que tu fasses une intro avec des scratchs. Et pour rigoler, il me dit, fais-le faire par premier. Donc ils rigolent tous dans le studio, sauf que moi, je rigolais pas. Dans ma tête, je me dis, ok, vas-y, premier, pourquoi pas.